Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kensia officielle ou la prière puissante. Prière de restauration. Bien-aimés, la porte s'ouvre à quiconque ose frapper, nous devons donc prier pour avoir la restauration divine, et continuer à prier pour que la puissance du Christ se manifeste dans nos vies, nos foyers, nos affaires, nos projets. Prions pour que le Seigneur agisse puissamment et change les temps et les circonstances en notre faveur. Louange et adoration. Prions. Seigneur éternel, je viens devant toi pour t'exprimer mon désir celui de t'adorer, et te remercier parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui meurent, mais c'est ta bonté, ta grâce, ton amour et ta fidélité qui assurent mon lot. Car tu es avec moi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, au nom de Jésus-Christ. Cher Père, je te confesse tous mes péchés, accorde-moi ton pardon et lave-moi dans le sang de Jésus. Selon ta parole écrite dans Jérémie 33:3, Seigneur, je te prie de me révéler tout ce qui est caché dans ma vie, révèle-moi toutes les alliances obscures, au nom de Jésus-Christ. Je brise à présent, toutes les malédictions et les alliances maléfiques que j'ai héritées, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur ancestral qui ne veut pas me laisser tranquille, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, car mon Seigneur est un feu dévorant. J'enlève et jette au feu tout vêtement de souffrance que l'ennemi m'a fait porter, au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de maladie, d'attaque démoniaque, que le diable a placé sur moi, soit renversé et taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les liens d'attachement entre moi et les esprits mauvais, au nom de Jésus-Christ. J'annule avec le sang de Jésus-Christ, tous les effets de mauvaises paroles prononcées contre ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Que toute rivière démoniaque de mort, de misère, de maladie, soit asséchée par le feu divin, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute condamnation diabolique dans ma vie, car Jésus a déjà tout porté à la croix et les a annulés par son sang, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon nom de tout registre démoniaque, que le sang de Jésus efface mon nom de tout livre maléfique, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, prends ta plume maintenant et écris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie sa puissance dans ma vie pour ébranler et détruire le fondement de tout ce qui n'honore pas Dieu en moi, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur frappe tous les hommes démoniaques qui luttent contre ma liberté spirituelle. Seigneur, frappe les des 10 plaies dont tu as frappé l'Égypte quand Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël aller te servir. Frappe tous ceux qui me font la guerre sans cesse, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens régner dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déracine avec la hache de feu tout arbre d'oppression ou d'attaque démoniaque, planté dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout œil démoniaque qui me surveille et m'attaque de nuit comme de jour en bloquant l'évolution dans ma vie, mon foyer et mes entreprises, mes projets, soit percé et aveuglé totalement, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de négocier avec les maladies dans ma vie, car Jésus les a déjà portées à la croix, c'est pourquoi je les rejette toutes, au nom de Jésus-Christ, et je reçois ma guérison divine. Je refuse de négocier avec toutes les attaques démoniaques au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation de ma vie, je ne vais jamais écrouler. Jésus-Christ est le soutien de ma vie, je suis alors vainqueur sur tous mes problèmes. Jésus-Christ est la lumière de ma vie, de qui aurais-je peur? Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, c'est pourquoi, je déclare que la lumière du Saint-Esprit rayonne ma vie et ma demeure et que toute ténèbre démoniaque qui s'y trouve, disparaisse à jamais, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur me transforme en charbon ardent de feu divin que personne ne peut approcher ni toucher, au nom de Jésus-Christ. Que je sois intouchable au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout obstacle spirituel, matrimonial et financier. Placez devant moi de reculer maintenant et qu'il soit brisé par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de ma vie, car je cherche ta face. Mes adversaires sont nombreux, ceux qui en veulent à ma vie m'attaquent sans cesse. Je crie à toi, Seigneur, Dieu de mon salut, étends ta main et sauve-moi et combats-les, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mon puissant guerrier, envoie tes saints anges de combat du ciel afin qu'ils me libèrent de toute prison démoniaque, et qu'ils assurent ma sécurité 24h/24, au nom de Jésus-Christ. Comme Pierre fut relâché par un ange du Seigneur et ses chaînes tombèrent, Actes 12:1-11, Seigneur, brise aussi les chaînes de misère, d'échec, de pauvreté, de maladies héréditaires et toute chaîne démoniaque dans ma vie,
qu'elle soit brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je me libère, je me détache des liens de maladie, des liens démoniaques. Au nom de Jésus-Christ selon Matthieu 18h18. Seigneur délivre-moi, sauve-moi de ce désert ancestral de torture, et rachète-moi, je crie à toi, j'ai mes yeux sur toi seul, conduis-moi dans ton jardin de vie afin que j'y trouve de verts pâturages de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, par ton sang versé à Golgotha, j'ai reçu le don de la vie éternelle, je crois en toi Seigneur Jésus et en la puissance de ton sang. Pour ma liberté totale, pour ma guérison totale, pour une vie chrétienne victorieuse. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines, ma tête, mes os, ma chair, dans tout mon organisme au nom de Jésus-Christ. Je plonge tout ce qui est mien dans le sang de Jésus-Christ. Quand je dormais, tout ce que l'ennemi sorcier a programmé contre moi, soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Que tout animal démoniaque envoyé pour me nuire, moi et mon foyer, reçoive le feu dévorant de Dieu et qu'il soit consumé et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans ma maisonnée et que tout objet diabolique qui s'y cache, soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus tombe comme une pluie sur mon appartement et partout où je mettrai les pieds, jour et nuit, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu couvre-moi et contrôle tout mon environnement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur m'ouvre les yeux afin que je voie et comprenne les choses que je dois connaître, au nom de Jésus-Christ. Que toute bonne chose qui m'avait échappé par le passé, revienne maintenant en ma possession, au nom de Jésus-Christ. Que toute ma bénédiction qui a été emportée par un fleuve maléfique, me revienne au centuple, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, restaure entièrement ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je consume par le feu du Saint-Esprit tout habit spirituel de malheur, toutes chaussures usées de malheur, au nom de Jésus-Christ. Que toutes mes propriétés spirituelles, physiques, financières et matrimoniales, qui m'ont été volées dans les rêves, me soient restituées, au nom de Jésus-Christ. Que toutes choses précieuses volées dans ma vie me soient restaurées au centuple, au nom de Jésus-Christ. Tout bouchon spirituel qui bloque le tuyau de réception de mes bénédictions financières, soit ôté par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kensia Officielle ou la prière puissante. Prière de restauration. Bien-aimés, la porte s'ouvre à quiconque ose frapper, nous devons donc prier pour avoir la restauration divine, et continuer à prier pour que la puissance du Christ se manifeste dans nos vies, nos foyers, nos affaires, nos projets. Prions pour que le Seigneur agisse puissamment et change les temps et les circonstances en notre faveur. Louange et adoration. Prions. Seigneur éternel, je viens devant toi pour t'exprimer mon désir celui de t'adorer, et te remercier parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui meurent, mais c'est ta bonté, ta grâce, ton amour et ta fidélité qui assurent mon lot. Car tu es avec moi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, au nom de Jésus-Christ. Cher Père, je te confesse tous mes péchés, accorde-moi ton pardon et lave-moi dans le sang de Jésus. Selon ta parole écrite dans Jérémie 33:3, Seigneur, je te prie de me révéler tout ce qui est caché dans ma vie, révèle-moi toutes les alliances obscures, au nom de Jésus-Christ. Je brise à présent, toutes les malédictions et les alliances maléfiques que j'ai héritées, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur ancestral qui ne veut pas me laisser tranquille, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, car mon Seigneur est un feu dévorant. J'enlève et jette au feu tout vêtement de souffrance que l'ennemi m'a fait porter, au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de maladie, d'attaque démoniaque, que le diable a placé sur moi, soit renversé et taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les liens d'attachement entre moi et les esprits mauvais, au nom de Jésus-Christ. J'annule avec le sang de Jésus-Christ, tous les effets de mauvaises paroles prononcées contre ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Que toute rivière démoniaque de mort, de misère, de maladie, soit asséchée par le feu divin, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute condamnation diabolique dans ma vie, car Jésus a déjà tout porté à la croix et les a annulés par son sang, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon nom de tout registre démoniaque, que le sang de Jésus efface mon nom de tout livre maléfique, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, prends ta plume maintenant et écris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ.
Que le Seigneur envoie sa puissance dans ma vie pour ébranler et détruire le fondement de tout ce qui n'honore pas Dieu en moi, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur frappe tous les hommes démoniaques qui luttent contre ma liberté spirituelle. Seigneur, frappe-les des 10 plaies dont tu as frappé l'Égypte quand Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël aller te servir. Frappe tous ceux qui me font la guerre sans cesse, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens régner dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déracine avec la hache de feu tout arbre d'oppression ou d'attaque démoniaque, planté dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout œil démoniaque qui me surveille et m'attaque de nuit comme de jour en bloquant l'évolution dans ma vie, mon foyer et mes entreprises, mes projets, soit percé et aveuglé totalement, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de négocier avec les maladies dans ma vie, car Jésus les a déjà portées à la croix, c'est pourquoi je les rejette toutes, au nom de Jésus-Christ, et je reçois ma guérison divine. Je refuse de négocier avec toutes les attaques démoniaques au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation de ma vie, je ne vais jamais écrouler. Jésus-Christ est le soutien de ma vie, je suis alors vainqueur sur tous mes problèmes. Jésus-Christ est la lumière de ma vie, de qui aurais-je peur?